le plaisir d'ouvrir aujourd'hui la quatrième session de notre cycle Travailler commun que nous avons débuté en 2019 et qui est consacré au rapprochement de toutes sortes, croisements, interactions possibles entre les questions posées par le travail au XXIe siècle et les perspectives qu'offrent les communs et les biens communs pour une vie plus juste, plus épanouissante pour tous et sans perdre l'objectif de l'intérêt général et de notre inscription dans l'écosystème planétaire. Cette session se déroulera en deux temps autour de deux tables rondes. Donc la première autour de l'entreprise libérée, la deuxième table ronde, bon après une petite pause bien sûr pour récupérer, la deuxième table ronde sera consacrée aux coopératives, donc déjà forme déjà plus ancienne d'organisation du travail proche du commun. Cette année, nous avons réalisé cette session en partenariat entre l'Université du bien commun et les ateliers de travail et démocratie dont Thomas Foutreau avait annoncé la création lors de notre première session Travail et commun en 2019. Nous allons donc entamer cette table ronde où j'ai invité, donc, outre Thomas, donc Émilie Poli, qui est toute récente docteure en sciences de gestion et qui a choisi de faire sa thèse sur l'étude de la production de créativité dans l'entreprise libérée, et Olivier Simha, qui travaille sur un sujet voisin, mais qui s'est intéressé aux méthodes agiles et qui vous fera part de ses observations, critiques et propositions. Bon, je crois qu'on commence par des petites vignettes, hein, c'est-à-dire qu'on avait dit, pour parler un petit peu, donner un petit exemple chacun, ou deux, dans ton cas, j'ai l'impression, de les expériences qu'on a vécues, dans votre cas, ou plutôt on a étudié dans mon cas d'entreprise libérée pour un petit peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Je commence. Bon, allez. J'ai le micro. Moi, je voulais reprendre l'exemple de la biscuiterie Poult. Je vais faire ça en 3 minutes, hein, mais la biscuiterie Poult, c'est une entreprise de fabrication de biscuits à Montauban, dont le siège était à Montauban, qui a plusieurs usines en France, là toujours, plusieurs usines en France. Et qui était un peu une des stars du mouvement des entreprises libérées, notamment mise à l'honneur dans le fameux documentaire Le Bonheur au Travail, qui était passé sur Arte en 2014 ou 2015. La biscuiterie Poult, l'initiative vient, alors comme très souvent, hein, ce qu'on appelle le leader libérateur dans ces expériences, c'est le PDG, le DG, pardon, Carlos Vercaren, qui décide en 2006 de changer tout dans son entreprise. Parce qu'elle traverse une crise économique et il se rend compte qu'il y a aussi un problème de motivation, d'inertie dans le personnel. Et il a lu des bouquins et d'auteurs, de consultants qui prônent des modes de management alternatifs. Et il se dit, bon, ben moi je vais faire ça, je vais tout changer dans mon entreprise. Et il convoque un beau jour de janvier 2007, un World Café, un Poult World Café. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un World Café. C'est des modes d'organisation, de débat participatif. Hein. Donc, ils convoquent toute l'usine de Montauban, c'est-à-dire plus de 400 personnes, dans le hall du palais des congrès de Montauban. Et ils font des petits groupes. Ils discutent toute la journée en petits groupes pour discuter, savoir comment est-ce qu'on aimerait travailler. Et au départ, le directeur général leur a dit « aucune limite, il n'y a aucune limite, vous pouvez faire les propositions que vous voulez et elles seront étudiées et je m'engage à ce que si elles ne sont pas appliquées, on vous expliquera pourquoi ». Et apparemment, cette journée a été mémorable, les gens se sont enthousiasmés, ont multiplié les propositions, et ça a lancé une réorganisation complète, ça a permis de lancer une réorganisation complète de l'entreprise. Dans le mois suivant, un comité de pilotage composé à 90% d'ouvriers et d'employés, donc les 10% de cadres,
conçoit les détails de la nouvelle organisation. Il dessine des unités autonomes de production par type de produit. Biscuits fourrés, cookies, emballages, etc. L'animateur de chaque atelier et de chaque unité est choisi par un collectif de recrutement qui comporte une majorité d'ouvriers et d'employés. Les rôles de supervision sont redistribués à des ouvriers. Plusieurs groupes d'innovation sont mis en place avec les salariés volontaires. Et pendant plusieurs années, l'entreprise a... Alors, immédiatement, les cadres, beaucoup de cadres vivent très mal la situation, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ces expériences. 18 cadres sur 27 quittent l'entreprise dans les semaines qui viennent, qui suivent, dans les mois qui suivent. Les autres sont rebaptisés techniciens de progrès. Et ils deviennent non plus des encadrants, mais des coachs ou des conseillers des équipes. Et en quelques années, le chiffre d'affaires passe de 50 millions d'euros en 2003 à 250 millions d'euros en 2013. Autrement dit, ce qui explique Carlos Vercarren, vous verrez sur Internet, il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé sur... il a fait beaucoup de témoignages et de conférences sur son expérience. Ce qu'il explique, c'est que ça a libéré, en particulier, un truc sur lequel il a insisté énormément, la capacité d'innovation. Puisque au lieu d'avoir 4-5 salariés au département marketing qui se creusent le cerveau pour savoir comment ils vont fabriquer des nouveaux biscuits, là, il y avait des groupes d'innovation dans chaque unité où les ouvriers participaient. Et ils ont pu créer des nouveaux produits. Il est moins prolixe depuis qu'il a été licencié par un fonds d'investissement qui a repris l'entreprise en 2018 et qu'il a assez rapidement mis sur la touche. Alors, officiellement, parce que la comptabilité d'exploitation n'était pas bien tenue, les résultats économiques apparemment n'étaient pas mauvais, mais la comptabilité d'exploitation n'était pas bien tenue et le fonds d'investissement n'arrivait pas à savoir exactement quels étaient les coûts unitaires des différents produits. Et ils n'ont pas du tout apprécié ça. Donc, ils ont remercié Vercarren. En réalité, bon, c'est aussi probablement une méfiance par rapport, c'est ce qu'on retrouve souvent dans ce type d'expérience, une méfiance par rapport à un type de management qui est assez déroutant pour des financiers. C'est assez clair. Donc, c'est un cas assez typique où malgré... un succès économique assez remarquable, malgré visiblement... Alors, il y a une thèse qui a été faite par une chercheuse en gestion qui s'appelle Hélène Picard, qui a fait une thèse remarquable, vraiment très très... Je pense que avant la tienne, c'était la meilleure thèse en gestion sur les entreprises libérées. Et où elle a fait elle a vraiment fait une enquête auprès des salariés. Elle a montré qu'effectivement, un certain nombre de salariés correspondaient au storytelling de Carlos Vercarren, qu'un certain nombre d'autres s'y reconnaissaient vraiment pas et se sentaient plutôt, au contraire, marginalisés ou pas écoutés. Donc il y a mis en évidence une très grande diversité dans la façon dont cette expérience de transformation et de libération du travail était vécue. Mais au bout du compte, voilà, l'expérience a tourné court à la suite de la reprise en main par un fonds d'investissement. Qui trouvait ça un peu bizarre. Je vais partir d'un cas individuel, parce que finalement j'ai fait deux terrains pour ma thèse, qui sont donc des terrains d'entreprise. Et je voulais m'attarder un petit peu sur le cas de Chloé, en introduction de cette séance, parce que Chloé, elle est consultante dans une petite entreprise du numérique, une entreprise qui fait du consulting numérique. Et elle est donc, comme souvent dans cette entreprise, missionnée chez des grands clients. Donc elle est chez son grand client, mettons Orange par exemple. Donc Chloé, c'est une jeune femme très dynamique, très enthousiaste, qui a une forte volonté d'apprendre tout au long de sa vie, qui a besoin de mentors, qui a besoin d'être inspirée, qui est très créative, et qui a en même temps une fibre entrepreneuriale très forte. Et un jour, le patron de cette entreprise, de cette ESN, donc comme on les appelle, entreprise du service numérique, en 2015, Franck, le patron de cette entreprise, décide de la libérer, du jour au lendemain. En partant un petit peu d'une page blanche, c'est la particularité de ce terrain, vraiment la page blanche, mais encourager à mener ses propres projets, à prendre ses propres initiatives et à développer son potentiel en interne. Donc elle y voit cette possibilité en participant à la création d'un plateau de développement interne, donc d'aller chez le client, cette entreprise qui s'appelle Epsilon décide de développer un plateau interne de développement logiciel et Chloé se dit, tiens, c'est ma chance, pour la citer,
ce qu'elle m'a confié en entretien. Donc j'avais envie de voir autre chose, et c'est tombé pile au moment où Franck a libéré l'entreprise. Il m'a fait sortir de ma mission chez le client sans avoir de projet. Il m'a fait confiance en disant, eh bien, on va développer cette partie en interne. Elle voulait faire du marketing digital, non plus pour le client, mais pour Upsilon. Et donc pour lui, c'est ce qu'elle dit, ça a été une prise de risque financier quand même, donc elle le voit vraiment comme une marque de confiance. Voilà, donc il y a une dynamique de leadership, une cohésion qui se crée sur le plateau de développement, etc. C'est énormément d'enthousiasme, l'imaginaire de Chloé se débride, etc. Elle est extrêmement motivée, extrêmement créative. Et elle se lance avec une collègue qui s'occupait des RH, dans la prospection commerciale pour développer ce plateau de développement et des missions de marketing digital. Et très rapidement, malheureusement, un problème de partage des responsabilités se pose et des tensions, des conflits apparaissent puisque sa collègue Sarah, qui s'occupait des RH, délaisse un petit peu ses missions, ce qui, en interne, génère des sentiments d'abandon et des problématiques de conflits. Sarah finit par claquer la porte au bord du burn-out. Et pour Chloé, démarre une descente aux enfers, puisque de la même façon, elle se retrouve dans un contexte qui, pour le plateau de développement économiquement, est au bord de la clé sous la porte. Elle est sous pression. Et lors de son entretien annuel, elle se voit sanctionnée pour n'avoir pas piloté la marge et la rentabilité du plateau. Chose qui pour elle sort totalement à la fois de son domaine de compétence et à la fois de son domaine de motivation intrinsèque, et elle se voit sanctionnée, donc pas d'augmentation cette année-là, faute d'avoir piloté la marge du plateau. L'année d'après, pareil, c'est le schéma recommence et elle finit par partir. C'est à partir de l'entreprise, pour une entreprise qui effectivement lui offre un cadre, lui offre des possibilités d'apprentissage, puisque finalement elle se rend compte avec le recul, puisque je l'ai eu après également, qu'elle fait partie de ces personnes qui ont besoin d'être accompagnées, d'avoir un mentor, d'apprendre constamment. Et elle s'est retrouvée là très seule avec sa compétence de marketing digital à devoir lutter pour sa propre activité sans avoir forcément en tout cas les ressources, ou en tout cas le sentiment de les avoir. Pendant ce temps-là, chez Thales, qui est mon deuxième terrain partiellement libéré, pendant ce temps-là, chez Thales se prépare donc une libération d'un autre type, d'un autre genre, inspirée par l'ouvrage de Frédéric Laloux, le leader libérateur de cette entité de Thales, décide de lancer un grand chantier, un chantier de refondation collective de l'organisation de cette entité commerciale de Thales. La hiérarchie est abolie, des cercles multifonctionnels sont mis en place, centrés sur des clients particuliers, réunissant l'ensemble des fonctions. Une constitution est adoptée, le processus décisionnel est totalement repensé, ils adoptent le principe de la décision par consentement. Et au bout de 2 ans, on a une performance qui est... Alors la survie de HEA, c'est le nom du département, la survie du département est menacée au moment de l'adoption de ce projet, c'est ce qui le motive d'ailleurs, et 2 ans après, le bilan est particulièrement positif. La performance est au rendez-vous. On a notamment un ingénieur, je reprends un petit cas individuel, mais un ingénieur commercial qui détecte une piste commerciale qu'il estime fertile dans un pays étranger. Il lance donc une sollicitation d'avis, comme le veut... La décision par consentement. Le directeur de l'époque, l'ex-directeur du département, lui, ne valide pas, et c'est une décision qui, dans l'ancien système, n'aurait jamais été validée. Et en l'occurrence, comme il n'a pas d'objection argumentée à opposer à cette initiative, il la laisse se poursuivre. Et en l'occurrence, c'est un succès, le contrat est conclu. Il poursuit son bonhomme de chemin en équipe, avec une équipe transversale pour l'accompagner, et le contrat est signé. De la même façon, une autre équipe s'engage sur un nouveau marché du rétrofit, pour ceux à qui ça parlera, mais en tout cas, c'est renouveler une offre qui s'avère in fine stratégique pour le département et qui fait partie des initiatives qui auront permis de relancer la performance alors qu'il était vraiment au bord de la fermeture, quoi. Bonjour à tous, moi je vais vous parler d'une troisième expérience
qui s'est situé dans un grand groupe industriel et qui n'est pas directement lié au concept d'entreprise libérée, mais qui s'en rapproche, puisque c'est la création au sein de ce grand groupe industriel d'une entité dédiée à l'innovation et à la création de produits ou de projets innovants digitaux. Et donc pour créer dans ce contexte de transformation digitale, il s'agissait d'une décision stratégique pour ce groupe pour éviter ce qu'on appelle, dans le langage corporate d'aujourd'hui, de se faire disrupter par d'éventuels concurrents qui viendraient avec des produits digitaux et casser complètement ces marchés. Donc l'idée qui est mise en avant, c'est de créer une entité qui travaillerait un petit peu comme les start-up et qui travaillerait donc en fameux mode agile. Alors le mode agile, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des méthodes qui sont apparues de développement logiciel à l'origine, qui sont apparues au début des années 2000 et qui ont fait l'objet d'un manifeste par un certain nombre de praticiens de l'informatique et qui mettent l'humain et les interactions au cœur de leur projet. Promeut l'autonomie du travail et un cadre de travail soutenable pour les acteurs. Et donc ce grand groupe crée ce qu'il appelle une Digital Factory, qui est une organisation de 200 personnes, 200 ingénieurs, regroupés en une vingtaine de squads, d'équipes, d'une dizaine de personnes, avec un seul manager. Et chaque équipe, chaque squad, lui est confié par les autres business units du groupe un projet d'innovation. Et pour mener ce projet d'innovation, les business units traditionnels du groupe vont déléguer quelqu'un qu'on va appeler un product owner, qui est une sorte de chef de projet. Et ces product owners, ils vont venir avec leur histoire, leur expérience dans cette digital factory dont les principes d'organisation sont inspirés de ce manifeste agile, mais on le verra aussi des lectures des managers qui est à sa tête. Et ces lectures, c'est effectivement Isaac Gates et Frédéric Laloux. Et ces product owners, ils vont avoir des expériences très différentes ils vont avoir des expériences très différentes. Et j'ai décidé de vous parler de deux d'entre eux. Le premier, je l'ai appelé John. Il a un projet d'application. Et quand il en parle, il dit j'ai envie de créer le Waze. Donc Waze, c'est une application de navigation de la mer. Pour développer son projet, il doit avoir accès à des données de localisation des bateaux. Et donc elles dépendent d'autorités publiques. Et donc ce qui fait que pour développer son application très technique, il a besoin d'entrer, s'il veut appliquer des méthodes agiles, il a besoin d'entrer en contact avec des utilisateurs qui peuvent être les gardes-côtes, la marine nationale et d'autres acteurs, la gendarmerie maritime et d'autres acteurs comme ça, qui sont des acteurs publics. Pour entrer en contact avec ces acteurs publics, ça suppose de passer par tout un processus, on est en France, hein, qui est le code des marchés publics. Donc, même si son idée est bonne, le travail avec les utilisateurs n'est pas si facile que ça. Sans accès aux utilisateurs, il ne peut que vendre son idée à l'équipe. L'équipe doute de lui, le challenge, le questionne. Lui, il est sûr de son coup. Et comme on est dans un univers d'autonomie, on va avoir du conflit entre lui et l'équipe. Et comme il n'y a pas de manager, il n'y a pas d'arbitre, le conflit n'est jamais arbitré, jamais résolu. Et ça se termine mal pour John, puisque lui, si je le cite,
au bout d'un moment, il dit « Je suis tombé dans un monde de rumeurs, de non-dits atroces, sur compte de la bienveillance. » Et il a senti, hein, il dit « Il ne faut pas qu'on fustige quelqu'un sur le thème de « c'est sa faute ». Ça, c'est le cas de John. Le cas de Françoise, elle a imaginé un site internet marchand, une sorte d'Amazon, de pièces de rechange pour des avions. C'est quand on fait un site internet, c'est très facile d'avoir accès à des utilisateurs, c'est très facile d'itérer. Il suffit de mettre la page en ligne, de voir comment ça réagit, et après on peut reconstruire la page, on peut reconstruire le site web, et on peut itérer facilement, on peut rentrer dans un dialogue. Pour Françoise, ça se passe très bien, puisque elle se retrouve dans un environnement qu'a priori elle apprécie, et avec une activité qui se prête parfaitement à ce type de discussion. Et elle nous dira que c'est sa meilleure expérience de travail de sa vie. Et alors je lui pose la question, mais Françoise, est-ce que finalement le travail c'est important pour toi dans ta vie? Et elle me dit, bah, jusqu'à maintenant, non. Enfin non, il y avait mes enfants, ma famille, ça passait avant, etc. Là, pendant les vacances de Pâques, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu du mal à décrocher. J'avais toujours envie de rappeler l'équipe, savoir comment ça se passait, comment ils allaient, etc. Et donc Françoise, en conclusion, elle s'est retrouvée extrêmement engagée grâce à cet environnement qui correspondait à la fois à ses valeurs et qui était très satisfaisant pour elle. Thomas, tu annonçais que sans contester les structures du système en place, l'idéal de l'entreprise libérée est inatteignable. Et donc il s'agit ici d'un champ de lutte politique passionnant. Donc est-ce que tu peux développer ça? Pourquoi c'est un débat On a un débat, par exemple, moi j'ai un débat récurrent avec Daniel Linhart, notre collègue sociologue que vous connaissez sans doute. Qui elle a un discours vraiment très très négatif sur l'entreprise libérée. Elle dit c'est une mascarade, on essaie de manipuler l'envie de bien faire des salariés, tout ça pour enrichir davantage les actionnaires. Et elle dit tant qu'il y a la subordination et que les salariés ne sont pas maîtres de décider pourquoi ils vont travailler et comment ils vont aussi se rémunérer, c'est la question aussi de du partage de la richesse, la libération du travail, c'est du flan. Alors, moi, je lui dis, et donc c'est vraiment une controverse qu'on a de façon récurrente, et je lui dis, oui, tu as raison, et d'une certaine mesure, il y a beaucoup d'arnaques, il y a souvent beaucoup de désillusions à la fin, mais c'est quand même un terrain extrêmement intéressant, c'est un terrain d'expérimentation et de controverse extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un certain nombre de managers qui se rendent compte que la façon dont ils organisent le travail, la façon en fait dont est organisé aujourd'hui le travail dans les grandes entreprises et puis dans leur écosystème, hein, toutes les chaînes de valeur, les sous-traitants, etc., parce que les grandes entreprises imposent un certain nombre de procédures et de ce qu'on appelle des process hein, chez leurs différents sous-traitants. Cette façon qu'ont les grands cabinets, parce que c'est les grands cabinets de consulting international qui définissent ces process et toutes ces procédures, tout ce reporting permanent, enfin bon, je ne vais pas décrire, c'est une espèce de bureaucratisation monstrueuse du travail hein, qui s'est imposée aussi bien dans les administrations et les services publics que évidemment dans les entreprises privées, tout d'abord, et qui dépouille les salariés d'une grande part de leur professionnalité, les oblige à travailler uniquement pour satisfaire des objectifs quantitatifs, des cibles chiffrées qui correspondent souvent pas du tout à ce qui les intéresse ou à ce qui est vraiment attendu par les usagers, les patients, les clients. Donc il y a beaucoup de managers qui se rendent compte que cette mode d'organisation du travail est à la fois inefficace parce que ça ne permet pas de satisfaire les véritables besoins des clients, démotivant pour les salariés et très coûteux parce que ça suppose un empilement de procédures, de process, de hiérarchie, de contrôle qui coûtent extrêmement cher. Et donc, du management vient une critique hein, de ces modes d'organisation très bureaucratiques et très rigides. Et c'est le courant incarné notamment par Isaac Guetz, Frédéric Laloux, etc. Et ça rencontre
ça rencontre, c'est là que c'est intéressant, ça rencontre aussi une vraie demande de la part des salariés, puisque même beaucoup de salariés ne supportent plus de travailler de cette façon-là. On leur a promis, alors Daniel Linard me dit, ah ouais, mais on leur a fait des promesses, ils engagent leur subjectivité, ils y croient, ils s'engagent dans leur travail. En fait, non, les gens aimeraient bien pouvoir s'engager dans leur travail. Mais l'organisation du travail telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans la plupart des grandes entreprises d'administration les empêche de pouvoir travailler correctement. Et donc, ils sont demandeurs de d'autres formes d'organisation. Et donc, il y a souvent une rencontre entre des managers qui sont soucieux d'innover, de sortir de ces impasses, cette démotivation, ce gâchis économique que représente le lead management, et puis des salariés qui n'en peuvent plus, qui étouffent dans la créativité, est empêchée, etc. Et alors, ce qui est intéressant quand même, et il me semble que c'est là vraiment politiquement qu'il y a un nœud, c'est que dans beaucoup des cas que j'ai pu étudier, ces expériences commencent à se développer souvent de façon très intéressante, et parfois avec des succès retentissants, ce que tu décris sur l'unité à l'intérieur de Thales qui fait des étincelles sur le plan économique en quelques années, et je discutais de Poult tout à l'heure, mais il y a d'autres exemples qu'on peut citer d'entreprises qui, en adoptant un mode de management beaucoup plus participatif, en décentralisant la décision, en abolissant les objectifs chiffrés et les contrôles, c'est quand même c'est pas rien d'abolir ce qui est aujourd'hui la colonne vertébrale du management, les objectifs chiffrés et les contrôles, c'est ça qui vraiment structure l'organisation du travail aujourd'hui. Ils abolissent ça. Donc c'est pas rien. Et ça donne souvent des résultats économiques tout à fait intéressants. Et très souvent, on s'aperçoit qu'au bout du compte, ça se heurte au process. Alors dans le cas des grands groupes, ça se heurte aux process qui sont imposés par la sphère financière, la transparence, la traçabilité, la déclinaison des objectifs de performance à tous les niveaux de l'organisation qui doivent être à tout moment remplis, etc. Bon, ça vient percuter évidemment l'auto-organisation du travail, l'autogouvernement du travail. Et puis ça se heurte aussi à une espèce de sentiment de perte de contrôle par le top management, qui se rend compte qu'il se sent en situation d'insécurité, puisqu'il n'y a plus de pouvoir hiérarchique. Il a éventuellement un pouvoir d'animation, un pouvoir de suggestion, mais plus de pouvoir hiérarchique. Et ça fait peur. Ça fait peur, d'autant plus qu'ils craignent, et beaucoup craignent, et ça, c'est pas explicite. Je pense que c'est difficile de trouver des discours explicites là-dessus, sur la peur de perdre le contrôle. Mais moi, mon analyse, en tout cas, il y a plusieurs indices qui vont dans ce sens-là, c'est que le top management a craint qu'à partir d'une démarche d'autonomisation qui serait poussée, qui serait systématique, qui serait cohérente, les salariés en viendraient à poser des questions sur, finalement, quels sont les objectifs stratégiques de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'on décide de faire tel produit plutôt que tel autre, de privilégier tel marché plutôt que tel autre, et puis, finalement, peut-être aussi, pourquoi est-ce que la richesse est répartie de cette façon-là, pourquoi est-ce que les salaires sont parce que souvent les salaires ne sont pas discutables dans ces expériences. Tout est discutable au niveau du travail, mais pas les salaires. Donc il y a me semble-t-il, une peur un peu panique de, malgré les résultats économiques qui sont souvent positifs, une peur de la perte du contrôle, de la perte de pouvoir. Et donc en définitive, ça m'amène à dire que, enfin, on peut sans doute dire que le capitalisme, bon, certes, c'est la maximisation du profit. Mais c'est peut-être surtout la maximisation du pouvoir, du contrôle, de la domination. Et que le profit, on peut faire du profit en perdant le contrôle, et ça, c'est trop risqué, c'est trop dangereux. Et donc, on préfère faire moins de profit en conservant le contrôle, la domination, en sécurisant l'exploitation, finalement. Je pense qu'il y a une espèce de... Alors, donc, du coup, c'est un instrument critique, quand même, il me semble, c'est d'expérimentation critique des limites de ce système capitaliste qui est incapable en fait de faire confiance à l'autonomie des travailleurs parce qu'il craint de perdre le contrôle et que l'émancipation dans le travail quotidien, le travail opérationnel de tous les jours, finisse par déborder
sur la sphère des décisions stratégiques et des décisions de partage de la richesse. Thomas a posé le cadre, hein, c'est-à-dire le cadre contraignant. Et c'est au sein de ce cadre contraignant que j'ai voulu justement aller explorer les quelques potentialités émancipatrices malgré ce cadre contraignant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux terrains qui m'ont semblé intéressants justement parce qu'ils étaient particulièrement contrastés. Upsilon d'un côté, petite ESN d'une trentaine de personnes, et puis cette entité chez Thalès qui pour le coup subit vraiment le cadre d'un grand groupe, 80 personnes environ, situées à Valence, et Upsilon c'est à Sophia Antipolis. Ouais. Donc en allant sur le terrain, en allant vraiment interviewer une vingtaine de participants, une vingtaine de répondants dans chacun de ces terrains, moi, je suis allée explorer vraiment le processus de mise en œuvre, en fait, de la libération, tel comme il l'appelle, pour voir un petit peu comment ça pouvait se passer, comment réellement on passait d'une structure hiérarchique à une structure ahiérarchique, quand on prend vraiment la définition de la libération sur un mode radical, parce que là, dans les deux cas, il s'agit réellement de radicalement supprimer la hiérarchie. Il ne s'agit pas juste d'envelopper le manager d'une espèce d'aura bienveillante. On est vraiment dans une démarche radicale. Et ce que j'ai trouvé très intéressant en explorant, alors à la fois à travers des entretiens approfondis auprès des dirigeants, je les ai entendus pour Upsilon, je l'ai eu au moins 10 fois en entretien, les salariés je les ai eus une fois ou deux fois quand je les ai revus après leur départ. Pour ce qui concerne HEA, j'ai vu aussi le dirigeant à travers des entretiens approfondis, et j'ai trouvé intéressant justement de confronter le dispositif qu'ils avaient pu mettre en œuvre dans leur entreprise pour disperser, distribuer ce fameux pouvoir, cette fameuse hiérarchie, ces fameuses fonctions managériales. Je me suis rendu compte, à force de les écouter et d'observer ce qui se passait dans l'entreprise, qu'il y avait un lien très fort entre le dispositif qui était déployé et l'idéologie sous-jacente qu'ils portaient eux-mêmes à travers leurs inspirations, leurs lectures, les conférences auxquelles ils assistaient, etc. Et Upsilon, qui est parti sur justement des concepts très individualiste, très centré sur l'individu, avec le corporate hacking, avec la lecture de Gates, qui lui est dans une approche psychologisante de la libération, donc on est sur l'individu, avec le dispositif qu'il a mis en place, c'est un système de trinôme en fait, qui remplace la hiérarchie, c'est-à-dire un trinôme c'est quoi? C'est un salarié qui choisit deux autres salariés pour être ses influenceurs. Et en fait, au sein de ce trinôme, on disait que le salaire était rarement mis en cause. Là, en l'occurrence, le trinôme a la main sur le salaire des gens, sur leur évolution, sur leur promotion, leur augmentation, leur mission, tout ce qui touche à l'individu. Donc on n'est pas du tout dans une approche collective, organisationnelle, on est vraiment sur la libération individuelle des salariés. C'est d'ailleurs le sous-titre de Gates, hein, la libération des salariés. Alors que chez HEA, on a un leader qui a été inspiré par la lecture de Lalou quasiment exclusivement et teinté de sociocratie largement aussi. Donc dans une approche beaucoup plus collective, avec du coup un dispositif de mise en œuvre de la libération qui lui-même a été très collectif, pensé collectivement dès le départ, très bottom-up, avec une co-construction qui a duré 3 mois, impliquant la totalité des salariés, alors que chez Upsilon, ça s'est pensé à 3 leaders en 8 clos avant... quasiment un an, pendant un an, eux, ils ont cogité, et du jour au lendemain, les salariés, c'était la page blanche, à part le trinôme. Donc voilà, on est dans des lancements très différents et très contrastés, et on voit que les effets sont très contrastés également, puisque d'un point de vue de la créativité, en tout cas, on voit bien que les bénéfices et les risques sont le reflet du dispositif qui a été adopté. Donc, par exemple, chez Upsilon, on a des problématiques de trajectoire individuelle dramatique, comme on a pu le voir avec Chloé. Donc on a des effets d'un point de vue individuel qui sont très contrastés, puisque pour les gens qui sont au contraire très proches des leaders, très ambassadeurs du concept de corporate hacking, qui l'adoptent très rapidement et qui ont les moyens de l'adopter, c'est-à-dire qu'ils ont les ressources à disposition, ils sont proches du leader, ils ont un capital social et matériel qui fait qu'effectivement ils peuvent se l'approprier. Donc des résultats très contrastés. Chez HEA, on a effectivement, quand on a cette approche d'analyse multiniveau, on se rend compte que chez HEA, il y a, donc chez Thalès, une distribution des rôles, des responsabilités, de la prise de décision, des fonctions managériales, qui est bien plus harmonieuse finalement
bien plus collectivement décidée et qui engendre des effets plus collectifs aussi, de la cohésion, un climat organisationnel dans les équipes, dans les groupes, hein, une culture organisationnelle, donc au plus haut niveau, qui finit par émerger collectivement. Donc, il y a beaucoup de création de sens, du sens commun qui se crée. On a des rôles, on va dire, plus au niveau individuel, de soutien, d'écoute, d'accompagnement. On a des rôles collectifs, de stimulation, des rôles catalyseurs qui génèrent du débat, etc., au niveau collectif. Et puis, au niveau organisationnel, on a la vision, on a un rôle moteur. C'est celui du leader au départ, il peut être relayé également, mais c'est le plus difficile finalement à distribuer dans l'entreprise. Et c'est là où effectivement on se heurte à la difficulté de distribuer la dimension stratégique, la dimension organisationnelle, la répartition du capital, la répartition des bénéfices. Toutes ces questions qui se situent à un niveau plus organisationnel sont les plus difficiles à aborder. Effectivement. Ce qui m'a frappé en tout cas sur les terrains que j'ai explorés, c'est l'importance de ce fameux dispositif distributif dans la mise en œuvre de la libération, avec sous-jacent l'idéologie que ce dispositif porte finalement, avec une idéologie qui peut être individualiste ou qui peut être collectiviste. Donc, c'est pour ça que j'invite les aspirants libérateurs à s'interroger sur les croyances qu'ils véhiculent dans les pratiques qu'ils promeuvent dans leur entreprise, puisque finalement, je vous donne le dénouement chez Ypsilon, Franck, le patron, finalement, n'avait pas conscience de ce que lui-même projetait dans le dispositif de libération, et à force de discussions, pas seulement avec moi, mais avec d'autres chercheurs également, et d'autres personnes, d'autres consultants, etc., il s'est rendu compte de l'absence de cette dimension collective, et il a progressivement enrichi son dispositif avec des dispositions beaucoup plus collaboratives, des ateliers de réflexion, des ateliers de création de règles collectives. Il n'y avait plus de règles de transparence, comment fonctionne un trinôme, qui prend la responsabilité de quoi, etc. Et progressivement, on a vu une amélioration nette du climat social, de la cohésion dans les équipes, de l'engagement des personnes, du turnover, etc. Donc, tout n'est pas perdu, même si ça part mal. Ypsilon le montre. Mais voilà. Il y a une chose qui m'a semblé intéressante, c'est un phénomène que j'ai appelé la hiérarchie fantôme. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi, c'est peut-être une des limites du concept d'entreprise libérée, c'est qu'il y a ce flou un petit peu induit par le concept, comme si le concept n'assumait pas sa radicalité. Donc, non pas que je pousse à la radicalité, mais comme si le concept lui-même n'assumait pas qu'il s'agissait bien de s'affranchir totalement de la hiérarchie. Il ne s'agit plus de la remodeler, de faire du soft management, du management bienveillant. Et quelque part, ça crée de la confusion, puisque finalement, quand on dit on libère, le salarié lui-même continue de percevoir dans son ancien manager des responsabilités qu'il n'a plus, donc il continue d'avoir des attentes, de projeter, et on a cette espèce de... Et réciproquement, dans le manager se met à adopter, à conserver potentiellement des attitudes, parce que tout ça prend du temps aussi, il y a la question de la temporalité. L'amalgame également qui me semble fertile à réfléchir, c'est l'amalgame qu'on fait souvent entre lien de subordination, lien hiérarchique et fonction managériale. Finalement, on supprime le lien hiérarchique, on ne supprime pas le lien de subordination, on est toujours dans un contrat de travail. Et on ne supprime pas non plus les besoins de l'organisation en termes de fonction managériale. On ne supprime pas ces besoins, il faut toujours y répondre. Par contre, on supprime l'acteur clé, le manager intermédiaire. Et on oublie parfois, et ça, ce sont d'autres travaux le montrent déjà, il y a beaucoup d'impensés dans ces expériences de libération, des impensés qui font du mal. Cet impensé qui, dans les rôles managériels et la distribution qui mériterait d'être... mieux anticipé ou en tout cas mieux pris en charge dans les processus de libération qui ont lieu, puisqu'on se dit ok, on supprime la hiérarchie et on a l'impression qu'on supprime également tout ce qui va avec. Alors qu'en fait, ce qui va avec, non, il ne faut pas le supprimer, il faut le redistribuer, le repenser et le redéfinir avec les personnes qui sont là et avec les besoins de l'organisation. Voilà. Et par contre, on se heurte toujours à ce mur de la subordination qui est inhérent au contrat de travail et qui est un des grands tabous, on va dire, de l'entreprise libérée, des expériences que j'ai pu observer. Ce que j'ai essayé, en fait, à travers les exemples de montrer, hein, c'est qu'il y a également un impensé, alors je rebondis sur le mot que tu as utilisé,
c'est le lien qu'on fait entre organisation du travail et l'activité proprement dite qui est à faire, c'est-à-dire la nature du travail qu'on a à faire. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer en fait dans les deux exemples de John et de Françoise. Dans l'exemple de John, on a une activité qui est finalement très contrainte, à la fois légalement et technologiquement. On peut se poser la question si dans les... En fait, je n'apporte pas de réponse, hein, je pose plutôt des questions. Mais dans des entreprises ou dans des industries qui nécessitent une très haute, ce qu'on appelle en anglais les knowledge intensive firms, où on a besoin de beaucoup de connaissances et que cette connaissance-là, elle n'est pas détenue par tout le monde de manière égale. On va avoir des gens qui ont plus de connaissances, plus d'expertise que d'autres, et ça, ça leur donne aussi un pouvoir. Et ça leur donne une légitimité à décider de certaines choses que d'autres ne peuvent pas décider. Donc ça pose la question à quel point on peut participer à la décision si on ne sait pas tout ce que implique notre décision. Donc ça, c'est une question qui me semble devoir se poser dans ce type d'organisation. Je pense qu'il y a aussi, donc c'est ce que j'appelle finalement l'applicabilité opérationnelle du modèle d'organisation qu'on choisit. Est-ce que ça marche avec ce qu'on fait? Et une deuxième composante, c'est qui a plus trait à l'idéologie, c'est-à-dire les gens avec qui on travaille autour de nous, est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs ou les mêmes valeurs sur quelle est la bonne façon de s'organiser? Et si on prend le champ politique, hein, une démocratie et une dictature, comment ça discute ensemble, en fait? Est-ce que c'est facile de se comprendre? Mais là, j'exagère volontairement. Hein, c'est-à-dire, une entreprise libérée et une bureaucratie, est-ce que c'est facile de se comprendre? Parce que des fois, on doit travailler ensemble. Pour revenir sur ce que disait Émilie sur... comment on distribue le rôle managérial ou la fonction managériale, finalement, ce que j'entends de ce que tu dis, Émilie, c'est qu'on ne peut pas toujours se passer de règles. Et que du coup, il faut en créer des règles. Et ces règles, elles sont d'autant plus faciles à... Enfin, elles provoquent de l'organisation plus simple, plus vivable, si elles sont explicites. Et donc là, on va, qui dit règle, bah, ça nous rapproche de la bureaucratie. Donc c'est là aussi une question, un nœud qui est un peu auquel il faut s'attaquer. Quoi. Ensuite, il y a la promesse. Alors la recherche sur laquelle je travaille aujourd'hui, c'est justement sur l'idéologie sous-jacente à ces méthodes-là, telle qu'elle est portée par ceux qui les appliquent. L'idéologie... Pour moi, c'est comment ils pensent, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs croyances, quels sont le lien entre ces valeurs et croyances, et quelle est la logique, finalement, qui en découle. Alors, dans mes découvertes, alors je ne sais pas si c'est des découvertes, mais en tout cas, dans ce que j'ai appris de ces gens-là, c'est qu'il y a une forme d'aspiration au bien-être. La raison pour laquelle ils mettent en place ce type d'organisation, c'est le bien-être salarié et la performance économique. Ce qu'on a retrouvé hein, dans les deux exemples que vous donnez, mais ce n'est pas n'importe quel prix et ce n'est pas accessible à tous. Puisqu'ils disent la condition en fait, pour que ces deux choses-là se réalisent, ben, ça suppose d'avoir des salariés un peu différents. Qui sont entreprenants, qui ont de l'initiative, qui croient à la même chose aussi. Et donc, au lieu de dire aux salariés bah, « tu dois travailler de telle façon », finalement, ça revient à lui dire « tu dois penser de telle façon ». Et donc, c'est une forme d'injonction nouvelle qu'on donne aux salariés. On lui dit « tu dois être un intrapreneur ». Et au manager, on lui dit, bah, tu dois plus être un manager, tu dois être un coach. Tu dois accompagner tes salariés, tu dois plus décider. Et là aussi, c'est un changement, une nouvelle injonction. Et comment je fais pour être un coach, comment je fais pour être un super manager bienveillant, etc.
Et enfin, la dernière question que je me pose, c'est qu'on a vu dans ces modèles d'entreprise libérée, on a vu ces modèles d'entreprise libérée, ça vient toujours du leader. Toujours un leader libérateur qui est à l'origine de cela. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le leader libérateur, alors c'est du mauvais esprit, hein, est-ce qu'il fait ça finalement pour ses salariés ou est-ce qu'il fait ça un peu pour lui-même? C'est-à-dire, c'est un peu mieux de se voir leader libérateur que bureaucrate. Mais est-ce qu'il pense justement aux effets sur les salariés? Et enfin, la toute dernière question, c'est, Thomas en a parlé, et c'est ce que dit Daniel Linhart, c'est, et le cas de Françoise l'illustre, hein, c'est que on va créer de l'engagement pour le salarié. On va créer un nouvel engagement qui n'était pas nécessairement là, et qui ne veut pas, enfin un engagement plus intense, qui ne veut pas dire que le salarié n'était pas engagé au départ, il était peut-être engagé au juste niveau que sa vie, ou ce qu'il voulait, c'est-à-dire juste niveau d'équilibre de sa vie. Et là aussi, on peut se poser la question, est-ce que l'entreprise doit susciter un engagement supérieur du salarié à ce qu'il donne déjà aujourd'hui. Et je vais terminer par ça, hein, c'est un leader d'entreprise libérée, un leader libérateur que j'interviewais, qui me parlait de sa belle expérience, lui il l'avait vécu de manière très, très belle, et il me raconte, c'était super, par exemple, il y en a même qui travaillaient le dimanche. Il y avait mon assistante qui travaillait le dimanche, elle m'appelle, etc. Je dis, bon, ok, super. Tu l'as augmenté? Elle a eu une compensation? Et là, silence. À chaque fois qu'on parle de l'organisation, au bout d'un bout, on va mettre en cause la finalité. C'est la question qu'il faut se poser. C'est les notions de performance. Qu'est-ce que ça veut dire, performant? Parce qu'on peut avoir une entreprise où on est bien émancipé, où on travaille bien, et qui met en cause complètement la planète. Mais si on ne se pose pas la question dans l'organisation du travail de ça, on a un problème. Donc il y a un nouveau paramètre à mettre. C'est-à-dire, alors juste pour finir, c'est que quel que soit le travail, même le plus contraint, les travailleurs prennent des initiatives, parce que sinon ça ne marcherait pas. Mais c'est pour ça que plus on libère, et plus l'initiative, elle est libérée. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi les salariés n'ont pas abordé la question des salaires? Les interventions qui ont eu lieu me font penser à des écrits de Christophe Dejour, où ils disent c'est important qu'il y ait une délibération sur le travail. C'est très important, contre le néolibéralisme. C'est très important. Mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment donné, joue le rôle du tiers qui décide, même si la décision peut être remise en cause. Et plus tard, mais s'il n'y a pas ce tiers qui décide, c'est la panique. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très important, parce qu'on y a une espèce d'idéal d'autogestion qui tend parfois à éliminer l'idée qu'il faut instituer des règles, comme vous l'avez dit. Je me présente, Benoît Boritz, je participerai à la deuxième table ronde et je suis plus particulièrement centré sur des études sur les coopératives. Voilà, donc c'est une question qui s'adresse plutôt à Émilie, d'une façon générale sur le panel qui est là et des expériences que j'avais compris d'entreprises libérées, de sociocratie et autres, la question de la rémunération est un petit peu l'angle mort de ces questions-là. Or, tu as donné un exemple dans lequel cette question n'est pas taboue. C'est l'exemple des fameux trinômes dans lequel la personne est en quelque sorte jugée par les deux autres. Tu as donné un exemple qui est très négatif, qui est de la personne qui n'a pas été augmentée. Donc je dirais quelque part, pour l'entreprise, c'est très bien. Ces équilibres économiques ne sont pas mis en cause, mais je pense que c'est quand même pas le lot de tous les trinômes de l'entreprise. Donc comment se passe quelque part le contrôle de ça par ce que j'appellerais quand même l'entrepreneur libérateur. Ok, on augmente, et jusqu'où?
Donc tant qu'on est dans une dynamique dans laquelle la valeur ajoutée de l'entreprise se développe, bon, je dirais qu'il y a de la marge, mais il y a peut-être un moment donné où l'effet s'estompe. Vous allez d'abord répondre, Émilie et Thomas, ou les deux, sur la question effectivement du débat de la délibération. Je crois que dans certaines entreprises, ce débat existe, et les décisions sont prises par les salariés, mais qu'est-ce que ça représente dans les entreprises libérées? C'est peut-être plus dans les coopératives, d'ailleurs. Commencer par la question de l'augmentation dans le trinôme. Comment ça s'est passé chez Ypsilon, effectivement? Parce que pour Chloé, ça s'est pas très bien passé. Mais en fait, il y a eu de tous les cas. C'est-à-dire que dans le trinôme, on avait soit la personne demandait une augmentation qui semblait trop élevée aux influenceurs, auquel cas il y a une négociation qui s'engage. Puisque une des règles, en fait, il y a trois règles pour le trinôme. C'est l'unanimité des trois personnes qui le constituent, la santé financière de l'entreprise et la satisfaction du client. C'est les trois règles qui encadrent la prise de décision dans le trinôme. Donc concernant les salaires, en fait ce qui s'est passé, c'est que la première année, alors avant la mise en place de la libération, l'enveloppe, comment dire, l'augmentation moyenne de salaire, c'était 2,5%. En l'occurrence, pendant deux années de suite, ça a été 2% les augmentations. Et la troisième année, la troisième année, il y a eu une augmentation, alors je ne sais plus quel est le pourcentage d'augmentation, mais en tout cas, il y avait une enveloppe qui avait été fixée au départ. Et l'enveloppe a été dépassée par les demandes des trinômes. Bon, bah là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est en l'occurrence Franck, le leader libérateur, entre guillemets, qui estimait n'avoir la même responsabilité que les autres, mais sur des périmètres différents. En l'occurrence, il avait la responsabilité financière de l'entreprise. Donc il a fait une coupe au prorata de toutes les augmentations. Et malgré ça, il y a quand même eu des cas particuliers, des négociations possibles sur certains influenceurs qui souhaitaient défendre leur influencé et pour qui ça tenait à cœur de reconnaître les performances particulières, etc. Donc il y a eu des petites modifications à la marge comme ça, mais une décision de prorata, mais qui a respecté quand même globalement les demandes. Il y a eu d'autres entreprises libérées où la question des salaires a été abordée. Il y a Chronoflex, où finalement le système de primes a été préempté par les salariés, et finalement ils se sont mis d'accord sur... alors j'ai plus le détail, hein, mais si vous allez voir le bouquin d'Alexandre Gérard sur l'expérience Chronoflex, vous trouverez c'est ce passage-là sur la refonte du système de primes et des salaires. Et dans le bouquin de Jean-François Zobrist aussi, chez Favi, il y a eu une grille salariale, alors anonymisée, mais la grille elle-même est transparente. Donc il y a différents niveaux de transparence aussi qui peuvent être décidés d'adopter. Mais finalement, cette question des salaires, elle est ou pas, effectivement, mise au centre des différentes questions qui doivent être posées et dont la responsabilité doit être distribuée comme le reste. En fait, chez HEA, on était chez Thales, donc... les rémunérations n'ont absolument pas été touchées puisque ça rentrait dans un système groupe. Mais par exemple, on aurait pu imaginer qu'il y avait une constitution. Donc c'est-à-dire que, là du coup je rebondis sur la dernière question qui était abordée avant de laisser la parole, mais c'est la question finalement de l'autorité, comment on redistribue non seulement les fonctions managériales, non seulement les périmètres de responsabilité, mais aussi l'autorité. Quand il y a un conflit, comment est-ce qu'on tranche? Chez HEA, c'est simple, il y a eu une constitution qui a été votée par l'ensemble des membres de l'organisation HEA sur la base de la décision par consentement. Et cette constitution fait office de loi, de règles. Et donc il y a une médiation du conflit qui a été posée, qui a été délibérée. Et cette médiation du conflit pose plusieurs étapes avec un médiateur qui est désigné par les personnes engagées dans le conflit. Donc il y a une élection du tiers, comme vous l'appeliez. Et in fine, si ce tiers n'arrive pas à mettre les gens d'accord, et bien in fine, effectivement, c'est le directeur du département qui tranche. Franck, il est seul actionnaire de l'entreprise? Quasiment. Oui. Est-ce que les gens savent combien il prend comme dividende? Est-ce que sa rémunération à lui est connue? Parce que tu dis, les trinômes doivent prendre en compte la santé financière de l'entreprise. Mais la santé financière de l'entreprise, ça veut dire quoi? S'ils ne connaissent pas la rémunération du dirigeant? Ouais. C'est une bonne question. Et chez Ypsilon, effectivement, à part l'enveloppe d'augmentation qui doit être respectée ou pas, je ne suis pas sûre que l'ensemble des salariés soient au courant des marges. Après, les tableaux financiers sont à disposition, mais pas tout à fait de façon...
sont pas, ces tableaux ne sont pas promus, voilà, pas promus, les salariés ne sont pas formés dessus, il n'y a pas de volonté, en fait, c'est pas une démarche volontariste, quoi. On n'est pas dans une transparence volontariste. Il y a, Et mon autre question, c'est par rapport à Thalès, donc, parce que j'ai lu ta thèse, et alors ce que tu as décrit là, c'était... Enfin, tu n'as pas raconté la fin de l'histoire, quand même, qui est moins... Oui, tout à fait. Qui est moins, Thalès, ouais, qui est quand même moins rose que ce que tu as décrit là, puisque finalement, quand même, il se casse les dents sur la, bah, sur la structure, pas sur les décisions du groupe. Ben, je me suis arrêtée au climax, effectivement. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé pour HEA? En fait, l'entité HEA libérée, ils se sont appelés HEA libérée, a été réabsorbée dans une réorganisation de l'entité supérieure, FLX, qui, en l'occurrence, faisait rebouger tous les périmètres de responsabilité dans un mode hiérarchique, en réalité. Donc c'est une expérience qui a été éphémère, qui était positive, mais éphémère, car restée dépendante des réorganisations groupes qui n'en finissent jamais, en fait. Et est-ce qu'elle a laissé des traces? C'est ça qui est important. Alors, parce que ça a inspiré d'autres... Elle a laissé quelques traces timides. J'ai pas suivi jusqu'au bout la réorganisation FLX. Il y a cette histoire de cercle multifonction, des choses comme ça qui ont été gardées, mais on ne peut pas dire que l'essence même du concept d'entreprise libérée, le principe d'élection des capitaines dans les cercles, par exemple, par l'équipe elle-même, bon, ça c'était inenvisageable. Quoi. Quand on lit aussi un peu le retour de la sur ce qu'on dit aussi sur les entreprises libérées, c'est que tous les gens qui sont dans la logique de l'entreprise sont complètement libérés et intégrés. Par contre, ces entreprises, elles éliminent aussi complètement les gens qui sont différents. Et que donc, il y a une forme d'uniformisation du salariat au sein de l'entreprise libérée. Donc, je pense que c'est aussi intéressant. Ça serait intéressant de savoir pourquoi, justement, ces entreprises libérées éliminent les gens différents. Et le deuxième point, mais c'est par rapport à la hiérarchie. Alors, c'est loin de l'entreprise libérée, mais je voudrais un peu raconter un peu ce qui s'est passé dans l'entreprise. Moi, je travaillais à EDF. Et on a vu passer toute une transformation de la hiérarchie et du management, où on a supprimé, enfin, on a transformé les managers qui étaient plutôt auparavant des managers qui étaient reconnus par leur professionnalité, leur métier, par effectivement des managers qui arrivaient plutôt des sciences de gestion, des ingénieurs qui n'avaient pas l'expérience du métier. Je ne parle pas de jugement là-dessus, mais par contre, ce qu'on leur a demandé au fur et à mesure, c'est non plus de conduire des équipes, mais c'est d'examiner comment ces équipes elles obtenaient des résultats sur les tableaux de bord. Et en fait, ce qu'on a pu constater, je travaillais moi dans la santé et sécurité au travail, c'est une augmentation des conflits au sein des équipes avec l'absence de managers légitimes pouvant trancher la question des conflits. C'est que dans l'entreprise libérée, qui tranche les conflits du travail? Je serais intéressé quand même de savoir ce qu'il en advient, le syndicalisme dans ces entreprises et la représentation du personnel. Oui, on parle beaucoup d'organisation du travail. Je reste sur ma fin sur une question. En quoi ces expériences d'entreprises libérées, d'initiatives de libérateurs, qu'est-ce que ça dit du travail réel, des salariés, et en quoi ça transforme le travail réel des salariés? Dans la littérature de management sur l'entreprise libérée, il n'est jamais question des syndicats. Ça, c'est un non-sujet pour enfin, chez Guess, chez Lalou, etc. Tu ne trouveras jamais le mot syndicat. Pourtant, il y a certainement des entreprises où il y a des syndicats. Par exemple, chez Poult, il y avait un syndicat, il y avait un comité d'entreprise, mais il n'a pas du tout été. Je pense que même les syndicalistes eux-mêmes ne se voient pas comme des acteurs pertinents de ce genre de transformation. Un des problèmes qu'on rencontre, évidemment, très, très directement quand on s'intéresse à la question de travail et démocratie, c'est qu'il y a une sorte de deal explicite entre patronat et syndicat, selon lequel la question d'organisation du travail, c'est la responsabilité du patron. Et en échange, le salarié, il a un salaire à peu près fixe, et la protection sociale, les droits sociaux. De fait, les syndicats sont hors-jeu. On a peu d'enquêtes là-dessus. Il y a,
via l'étude de Laurent Carcenti et Dominique Léonard dans un service informatique de Michelin qui montre effectivement que bon, les syndicats n'étaient pas du tout présents. Bon voilà, c'est vraiment un impensé. Moi je voulais juste dire un mot aussi de plus sur la question de l'autorité, parce que Christophe Dejours, moi je suis un grand fan de Dejours, mais il dit des bêtises sur la question d'autorité souvent. C'est-à-dire, il dit les gens ont besoin quand même d'un chef qui décide en dernière instance. Je pense qu'il naturalise voilà, un phénomène social, un phénomène de domination sociale. Dans l'économie des communs, c'est des choses qu'on trouve chez Laloux, mais qu'on trouve aussi chez Elinor Ostrom, la théoricienne des communs. Une des conditions fondamentales de la survie à long terme d'un commun, c'est qu'il y ait des procédures pour régler les conflits, des procédures établies à l'avance, soigneusement discutées par le collectif, et des sanctions, et y compris des sanctions en termes d'exclusion. C'est-à-dire que le commun, l'horizontalité, la démocratie, c'est absolument pas l'absence de règles. Et l'absence de règles, ça aboutit à ce que tu disais sur les communautés qui éclatent parce qu'elles n'ont pas prévu, tout d'un coup, elles se retrouvent avec des conflits d'une violence extraordinaire, ils n'ont pas du tout prévu ça, ils n'ont pas les outils pour les traiter, et pof, ça part en vrille. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre que la démocratie, l'horizontalité, la libération du travail, ce n'est pas l'anarchie, enfin, l'anarchie au sens de l'absence de règles. Il faut absolument qu'il y ait des procédures là, et des autorités, bien sûr. Il faut qu'à un moment donné, dans le cas des résolutions, des procédures de résolution de conflit, à un moment donné, les gens qui sont en conflit vont se remettre à une autorité qu'ils ont choisie d'un commun accord et qui va trancher, bien sûr, parce que quand il y a un conflit, il faut qu'il y ait un tiers extérieur qui tranche. La différence, évidemment, avec le monde univers capitaliste ou bureaucratique, c'est que cette autorité, elle, c'est pas une autorité bureaucratique qui est là parce qu'elle a un statut ou parce qu'elle a des actions, parce qu'elle a un capital économique, c'est quelqu'un qui a une légitimité et qui est reconnu par les parties prenantes au conflit comme légitime pour trancher leur conflit. Ça n'a rien à voir. Hein, en termes de potentiel émancipateur, on peut dire « Ah oui, mais il y a des règles, donc c'est de la bureaucratie. » Non. Il y a des règles qui peuvent être résultat d'une délibération, qui peuvent être adaptées en permanence, d'ailleurs, en fonction de l'évolution des besoins, des acteurs, etc. Règle, ça ne veut pas dire bureaucratie, ça ne veut pas dire domination. Déontique. Au contraire, oui, l'activité déontique, comme dit Dejours, c'est une activité fondamentale des collectifs et c'est une activité nécessaire à la démocratie. Je veux venir sur quelque chose qui me paraît fondamentalement ambivalent. Je ne suis pas du tout une spécialiste de ça, mais je suis une artiste. Et donc, il y avait un livre qui m'avait profondément marqué, c'était « Nouvelle ère du capitalisme » de Bostanski et Capello, et notamment la partie qui était la cité par projet, le modèle artiste. Donc comment le néolibéralisme, en fait, s'était saisi de ce modèle artiste, avec tout, d'ailleurs, les clichés sur le monde artistique que ça pouvait véhiculer. Et pour moi, ça reste très ambigu, ça. En train de me dire que le néolibéralisme, il s'est construit sur toutes ces valeurs empruntées en fait au modèle artiste, et que en même temps, quand vous parlez des entreprises libérées, ça prend quand même une partie de ce modèle-là, et donc je cherche à comprendre un petit peu les limites de tout ça. Vous avez dit en fait de dire que finalement en fait, quand on achète un bouquin de management aujourd'hui, on va voir la promotion de l'agilité, de l'empowerment, de la libération des salariés, le manager doit être un coach, n'importe quel bouquin de management aujourd'hui qu'on achète promeut ça. Et du coup, en fait, ce que disent Bostanski et Capello, c'est que ça rend la critique du capitalisme et du management extrêmement difficile. Et promouvoir un mode de management libéré, entre guillemets, ou agile, etc., lorsqu'on le discute, lorsqu'on le conteste, c'est-à-dire on va se dire maintenant, en fait, peut-être qu'il nous faudrait un décideur. Oui, mais là, ça rentre en conflit avec notre modèle, quoi. Et donc, celui qui défend cette idée-là, il est vu
peut-être il peut être vu en tout cas comme un ennemi de la liberté. Et c'est là que ça devient vicieux, en fait. C'est-à-dire que le débat, il est, au lieu d'être centré sur l'activité, sur la manière de mener le travail, il va être centré sur les valeurs. Je pense que les difficultés des syndicats, c'est de se positionner par rapport à cet ensemble de valeurs bienveillantes qui veulent le bien-être des salariés. Moi, je m'intéresse dans ma recherche aux effets produits sur les gens et aux difficultés que ça pose pour eux. Et c'est des difficultés qui sont très difficiles à expliciter. Parce qu'on n'est pas dans les cadences infernales, etc. On est dans les cadences infernales que... On n'est pas dans les cadences infernales qu'impose le patron. On est dans les cadences infernales qu'on s'impose à soi-même. Et qui nous épanouissent. Et c'est là que ça devient dur, en fait. Merci beaucoup. Bon, on va clore ici cette première table ronde.